Est-ce que tu as des frères et sœurs ? Oui, j'ai deux petites sœurs. La plus grande, elle a 5 ans. Elle est en grande section et la plus petite, elle a 10 jours. Alors ça fait quoi d'avoir une petite sœur comme ça qui vient de naître ? Bah, elle pleure beaucoup, mais elle est trop mignonne. T'es pas jalouse ? Des fois si, mais pas trop. C'est la plus gentille sœur du monde ? Bah, des fois, quand je fais mes devoirs, elle vient m'embêter, elle prend mes affaires, elle les cache, elle écrit dessus, elle arrache les... Bah, des fois, elle arrachait une page de mon porte-vue. Est-ce qu'il vous arrive d'être complices tous les deux ? Bah oui, on joue à la princesse qui se maquille. Et c'est qui ? C'est toi, t'es le prince ? Bah oui. Et elle te maquille ? Oui. Et toi, tu l'embêtes jamais ? Si, parfois, quand il m'embête. Et tu fais quoi pour l'embêter ? Parfois, quand il joue à sa tablette, j'essaie de lui enlever sa tablette. Enfin, je lui fais des petits trucs comme ça. Mais est-ce que tu l'admires, ce frère ? Oui. Et pourquoi tu l'admires ? Parce qu'il est gentil, il est beau et puis je l'aime bien. J'ai une petite sœur qui s'appelle Nina et elle a 4 ans au mois de février. Bah on joue, on se fait plein de câlins et de bisous. Quand par exemple je lui dis « Nina, est-ce que tu peux m'apporter un crayon s'il te plaît ?» Elle m'en apporte un. Ça fait quoi d'être 3 filles, 3 sœurs à la maison ? Pour mon papa, ça doit être dur. Des fois, il est énervant. Je suis dans mon lit et puis je lis un livre. Et puis lui, il me tape mon livre d'un coup comme ça avec sa main. Et tu fais quoi ? Moi, je le tape. Oh et après, on se bat. Oh là là, bagarre générale à la maison. Oui, et c'est ça. Et ça te fait marrer en plus. Oui. Mon petit frère, il s'appelle Louis. Bah, quand j'entre dans sa chambre, il me balance des voitures. Et pourquoi ? Il veut pas que j'entre dans sa chambre. Et moi, je suis gentille parce que je lui dis pas de sortir de ma chambre. Bah, je voudrais bien jouer avec Louis. Lui. Bah, des fois, avec ma petite sœur, on chamaille. Elle dit non, tu touches pas à ça. Puis moi, je fais que d'y toucher. Alors, pourquoi tu embêtes volontairement ta sœur ? Parce que c'est marrant, des fois, quand elle veut me taper, elle se loupe. Des fois, elle me rend service. Dès que je lui demande, par exemple, quand je fais mes devoirs, que je lui demande, Sarah, est-ce que tu peux aller me chercher un crayon ? Et bah, elle va me le chercher. Donc c'est pour ça que tu l'aimes ? Oui. Parce qu'elle va chercher tes crayons ? Bah, des fois, oui. Est-ce qu'il t'est arrivé de faire quelque chose pour que lui se fasse punir, par exemple ? Oui. En fait, dès qu'on est arrivé à la maison, j'ai envoyé le ballon de foot chez les voisins et j'ai dit que c'était pas moi. Il s'est fait gronder parce qu'après il m'a cru papy. Et t'as jamais dit que c'était toi ? Non. Et il va le savoir là. Une fois, je l'ai tapé, je l'ai embêté et puis c'est lui qui s'est fait venir. Et toi t'as rien dit ? Non. Des fois, c'est moi qui l'embête alors que maman croit que c'est ma petite sœur, alors elle a puni. Et toi tu dis rien ? Bah, des fois oui, mais des fois pas trop. Qu'est-ce que tu ressens pour ton frère ? Bah, que je l'aime. Et tu lui dis ? Ah oui, c'est pas bien de dire qu'on aime son frère ? Bah si, mais c'est pas grave. Au fond de toi, qu'est-ce que tu ressens pour lui ? Bah, je l'aime bien, même si parfois il m'embête, un peu. Et tu lui as déjà dit que tu l'aimais bien ? Bah non, parce qu'il m'écoute jamais alors. Tu les aimes très fort ? Oui. Tu leur as déjà dit ? Non. Bah pourquoi ? Ils vont aller dire à maman, j'ai honte. Bah pourquoi ? Parce que... C'est la honte de dire qu'on aime ses frères ? Est-ce que tu aurais un message à lui faire passer ? Nina, je t'aime. L'interview s'est très bien passée. Louise et Lucie, ce sont les meilleures petites sœurs du monde. Je les adore. Zélie, je t'aime de tout mon cœur. Lily, Manon, je vous aime très fort. Pardon à Lou et Léonce de vous avoir fait mal des fois. Et je vous aime bien fort. Louis, je t'aime dans tout mon cœur. Ah bah c'est mignon ça, il va t'ouvrir la porte de sa chambre là. Hein.